Alors ça y est, Ford a dévoilé la date de lancement officielle de son SUV, le Ford Mach-E du coup. Le SUV full électrique de chez Ford qui serait inspiré de la Mustang. Donc à voir, hein, j'attends de voir le design de ce véhicule. Donc la date, ça serait le 17 novembre 2019. Donc article de guideautoweb.com, un site canadien. Fini les spéculations, Ford a annoncé aujourd'hui que son nouveau SUV électrique inspiré de la Mustang sera dévoilé au monde entier le 17 novembre 2019. Bien que l'idée de baser un SUV sur la notoriété d'une voiture de sport de l'envergure de la Mustang a suscité une certaine réprobation de la part des puristes du modèle, les spéculations les plus récentes parlent d'un SUV sportif dont le style serait basé sur celui de la Mustang, sans toutefois constituer une déclinaison de la Mustang à proprement parler. C'est une inspiration en gros et pas vraiment une copie de la Mustang, quoi. En tout cas, on ne peut que saluer l'intention d'un grand constructeur comme Ford de se lancer dans l'aventure des véhicules électriques à longue autonomie. D'ici le dévoilement, vous pourrez admirer cette petite vidéo qui nous donne un avant-goût du style de la voiture. Eh bien, la vidéo ne marche pas. Donc, c'est comme l'autre fois sur l'article du Mazda MX-30, du coup, ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave. En tout cas, on a eu déjà des infos sur le Mach-E, là. Il y a déjà des croquis et des images de synthèse qui sont sorties. Après, je ne sais pas exactement s'il ressemblera à ça. En tout cas, s'il est comme ça, pourquoi pas. Mais bon, j'ai quelques doutes, hein. Ça serait un peu trop copié sur la Mustang, là, pour le coup. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il a été aperçu en camouflage, du coup, sur des pistes récemment. Donc, à voir, hein, que un camouflage pareil, on ne peut rien voir du tout. Voilà. Clairement. C'est très très bien camouflé, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Rendez-vous donc le 17 novembre 2019 pour la présentation du premier SUV grande autonomie de Ford avec environ 500 km d'autonomie, 100 kWh de batterie. On en saura plus ce jour-là. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.